Le Quatuor Enchanté, c'est 20 ans de carrière, 8 albums, plus de 700 concerts dans 10 pays et partout en France devant 130 000 spectateurs. Ce sont 4 musiciens qui diffusent et défendent un projet unique en son genre. Ils militent pour un répertoire de compositions originales et de transcriptions. Le Quatuor Enchanté, c'est de l'invention, c'est de la création, c'est un ensemble toujours en renouvellement. Le Quatuor Enchanté, c'est une exception, il touche tous les publics et toutes les sphères sociales et se produit aussi bien à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Rive qu'à la salle Gaveau à Paris. Aujourd'hui, nous continuons sur cette voie en naviguant entre création et transcription. Nous poursuivons notre immersion dans le grand répertoire pour Quatuor à cordes et nous mettons en lumière une œuvre originale pour notre formation. Nous faisons appel à Richard Dubugnon, compositeur franco-suisse, pour lui commander une nouvelle œuvre et ainsi enrichir le répertoire trop ténu à notre goût du Quatuor de clarinette. Pour cette deuxième collaboration avec Richard Dubugnon, ce sera l'influence germanique qui prédominera, avec une œuvre en un seul mouvement intitulée « Lettre à l'immortel bien-aimé ». Cette œuvre s'inspire librement d'une lettre manuscrite de Beethoven à une inconnue. Il s'agit d'une lettre d'amour fiévreux de 10 pages, écrite vers 1812 et adressée à une destinataire dont l'identité n'a jamais été établie. Lettre à l'immortel bien-aimé tente de suivre les épanchements du cœur de Beethoven en un mouvement expressif parcouru de moments plus rapides et frénétiques. Notre projet a été sélectionné dans le cadre du dispositif Mise en œuvre en partenariat avec ProArti, la SACEM et la Fondation Banque Populaire dont nous sommes lauréats. La SACEM et la Fondation Banque Populaire financeront la moitié de la commande faite auprès du compositeur, mais nous avons besoin de vous. Nous lançons une collecte de financement participatif afin de fidéliser et réunir un public toujours plus hétéroclite. Clarinettistes, mélomanes, professionnels de la musique, simples curieux, nous vous invitons à soutenir la création en général et celle pour Quatuor de clarinette en particulier et à devenir acteurs de l'histoire de la musique. À bientôt sur proarti.fr.